Mesdames et messieurs, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision. La décoration implantée derrière moi parle mieux que ce que je parle. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 11 mars 2024 en direct de la ville touristique de Goma. Place Oyo, Bozoakaba Information, Basango Oya Moto Moto, Nabaye Oyo Ezoleka, Nakati Amboka Nabiso. Tolobili susu boye elamu na baye oyo bazana diaspora, na baye oyo bazana kati amboka, mais non, de la province du Nord Kivu, non, na baye oyo bazana kati amboka Goma te. Tolobili boye elamu na baye oyo bandima, kokufa pona ekolo, notamment la ompesite. Les résistants wazalendo baye oyo bazo sala nyoso poke mboke kendete, sans kobosa na mapingama ekolo FRDC. Baye oyo bandima kowa pona ekolo tulobi boye elamu kolanda ba information na biso ya lelo, boye elamu kolanda ba decryptage na biso ya lelo, boye elamu kolanda masolo oyo yeko décrire situation oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. Boza ebele toyebi bozolanda biso, tulobi boye elamu to pe matondo mingi. Voilà Kobanda, je suis journaliste Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation OP à Congo Live Télévision Oyandima Kokabelabino, ba information et situation Oezo les Kanakati Amboka Nabiso. Nous voici encore aujourd'hui pour de nouveaux décryptages Oeza Yasika. Yango lobi, leloto lobi, matondo, nabaye Oyo, Bazo Landabiso. Masolo eza nini na kati ya bitumba, masolo eza nini na ba ligne de front, masolo eza nini concernant bamboka moko moko oyo ekei na oyo moko moko oyo FRDC mapinga ma ekolo a récupéré na ye déjà, parce que ebele bazo salande propagande, bazo salande diffusion ya message oyo ya munguna ole ya ko proclamer victoire ya mapinga ma ekolo. Ba ebele na kati na bango bazo salande propagande ya masolo ya munguna. Bozana bitumba te, boyebi realite ya bitumba te, bozo yoka kana sango na ba internet. L'information ezo komela yo, peut-être oza na 5000 km na place oyo, masolo eza na realite. Oyebi te realite eza nini? Mais ozui courage ya koloba mabe pona maepinga ma ekolo. Ozui courage ya koloba mabe pona baye bazondi mako perdre vina bango pona mboka. C'est pas gentil. C'est quoi la vraie version ya makambo? Oezo tambo la sur net. Réalité zanini. Réalité za koloba depuis un certain temps y a les accalmies qui s'observent sur les lignes de front. Les accalmies s'observent. Na kote nyoso, accalmies ezali. Depuis vendredi jusqu'à présent, il n'y a pas les affrontements. Dans les deux territoires, ni soit dans les Masisi, ni soit dans les Rutshuru, il n'y a pas les affrontements. Il n'y a pas les affrontements. Baye oyo bazo beta masolo likolo a Rwindi. On va y arriver pour découvrir c'est quoi la vérité. Baye oyo bazolo ba mabe pona bakonzi ya mboka baza kuna. On va y arriver. Tout au long de cette émission, on y parlera. Tokolo ba yango. Pour que toye ba vraie version ezanini. Différemment de ce que vous êtes en train d'entendre. Vraie version ezanini. Différemment na oyo bozo mona na ba internet. Vraie version ezanini. S'il faut comprendre une chose dans cette situation oyo bozo yoka, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, dans les Masisi, Rebelles M23 neutralisé à 100%. Il est neutralisé.
Il n'est pas encore chassé à 100%, mais il est neutralisé à 100%. Parlez-moi à un endroit que vous connaissez bien, dans les Masisi, dans les territoires de Masisi, où les rebelles du M23 osent encore de parler. Il ne parlait pas. Pourquoi il a été neutralisé? Il ne parlait pas. Pourquoi il a été frappé, sérieusement? Moi encore dans les Mouesso. Dans la cité de Mouesso, où lui, il s'est batté la poitrine, place Oyabando place Waneza en possession naïe, les lois Zawapi. Qu'il parle encore, dans les Masisi, là je suis encore dans les Masisi, Nazana Nouté dans les Routchou, qu'il parle encore. Les gens qui l'appuient, oh t'es, Sbakangi, pourquoi? Pourquoi montrer que non, M23, soutenu par les Occidentaux, soutenu par l'Ouganda, soutenu par les Rwanda et d'autres personnes qui sont encore dans l'anonymat. Pourquoi Kosala Moulolo Ponayango? Pourquoi? Et Zanatinate? La situation aujourd'hui, donc, ce que je suis en train de dire est que la situation aujourd'hui est calme. Calme Olympia. Dans les massifs, il reste que certaines poussières. Certaines poussières, oh, il y a pas M23, mais Bazoum, on a déjà boni qu'on dégage na bango. Ils ne sont pas forts, je le dis ici chaque jour. Mobilisation, na biso et kokwe sabati pouana, baza ma cité. Ils ne sont pas forts, ils n'ont jamais été forts. Baza na ba pouya ba puissance, oh, ya dunia, ya monde. Mais ils ne sont pas capables à montrer combien ils sont forts. S'ils sont forts, qu'ils viennent dans les buts de reconquérir même la ville de Goma. Bazanga makasiwana. Bazomi beta ba poitrine na ba côté wana ya bazamba. Bien qu'ils aient pu partir à Mbouka. Mais ba monisa, combien de fois ils sont forts? Ils ne sont pas forts. Ils ont échoué. La mobilisation de tous les Congolais, il faut éteindre les macaques. Mobilisation à chaque Congolais, il faut être toujours wana. Lelo, tous observer la réalité ébélé. Dans les territoires de Masisi, Bayaka qui n'a pas la force. Oh non, Balingi Bazo a cité à ça que Lelo Baza Wapi. Wapi. Ils ont largué de multiples bombes à multiples reprises. Les gens ont perdu la vie, d'autres sont restés des handicaps, d'autres. Des gens ont perdu la vie dans ces batailles. Mais, est-ce que Bazoua Sake était? Est-ce que Bazoua Goma était? On les a prévu que non. Même Nabisika Bazali, si nous demeurons à être seulement mobilisés, motivé, on va y arriver et on va les pourchasser à l'extérieur en Bokarabiso. Ils ont voulu dominer les territoires de Masisi comme ils dominent celles de Rutshuru. Mais Simbaté. Tout au long de cette émission, vous allez découvrir qu'est-ce qui les donne l'orgueil de résister encore dans les territoires de Rutshuru. Ni les opesabango makasiwana. Ni les opesabango mbuluwana. Nini ezopesa bango mobulu. Nini ezopesa bango mobulu. Retenez jusqu'à présent que les neuf collines, Oyo, au départ, il y a au moins un mois comme ça, les jeunes résistants à Wazalendo, il y avait neuf collines, c'est là où il y avait le départ. Lorsque les jeunes résistants à Wazalendo et les FRDC, Bazouaki, neuf collines, quatre villages et deux localités. C'est ce qui était le départ. Wanandez là qui départ. Depuis là, les rebelles du M23 n'ont plus rien affiché. Depuis le vendredi, nous avons entendu comment est-ce qu'ils ont été neutralisés aux alentours de la cité de Mouesso. D'ici des jours, vous allez aussi écouter que non, toute la cité de Mouesso sous occupation des jeunes résistants à Wazalendo. Leur base détruite. Kituva, sous contrôle de FARDC. Route nationale numéro 2, Batikalika Poussière, Wana Yabashasha,
armée zo mona bonye ko désinstabiliser bango pe déloger bango. Comment accorder la valeur au M23 baye oyo mutuna mutu etikalika M23 et comme nini. Retenez donc que à ce qui concerne les territoires de Masisi, ils sont terminés. Batikalika ba esika moko moko me bazo mona boni bako terminer bango. On s'en va dans les territoires de Rutshuru. Qu'est-ce qu'il y a dans les territoires de Rutshuru actuellement? Qu'est-ce qu'il y a? S'il faut noter que non, dans les territoires de Rutshuru, il y a les affrontements. On ne refuse pas qu'ils soient à Rwindi. On ne refuse pas qu'ils soient à Nyanzale. On ne refuse pas qu'ils soient à Kibumba. Des messages, ils ont tambo là, d'ici et là. Rebelles du M23 continuent à Rwindi sans effort à Moutou, sans makasi à Moutou, sans kobetana à Moutou. Vous faites ce que commentez. C'est ce que vous faites. Vous avez commenté, vous avez commenté. Mais est-ce que vous savez la réalité à front au Ezomuna? Pour vous connaître ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, les gens qui sont en train d'injurier le général Siko, je viens ici pour vous en parler. Je trouve l'occasion ici de vous parler. Les gens, je rappelle tout celui qui est en train d'injurier le général Siko, disant que Siko a échoué, Siko a saliboué, Siko a saliboué. Vous n'avez aucune idée de ce que Siko vit dans la forêt pour booster les ennemis. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce que les généraux sont en train de planifier pour voir comment est-ce qu'on va finir avec le M23. Lorsque les rebelles du M23 sont entrés à Rwindi, est-ce que vous avez vu la face de Siko? Non, mais vous avez vu la face de la Monisco. Vidéo est relayée sur les nets, ils ont tambo là d'ici et là. Talandeng et les rebelles du M23 entrent, la Monisco observe et la Monisco ne fait rien. Comme quoi on était dans un film où ils ont monisa. Est-ce qu'ils ont filmé? C'est la réalité des choses. Oh, ils ont tal. C'est la Monisco. S'il faut dire que non, les gens qui étaient présents lorsque Biloko ne kotaki, lorsque M23 koti Rwindi, est-ce que Boebi Boni kotaki Rwindi? Boebite. Vous savez ce que les généraux à Kinshasa sont en train de faire pour voir comment mettre fin à cette guerre? Vous n'avez aucune idée. Civil de votre état, vous vous donnez le courage, le poids, les kilos de critiquer. Une fois vous êtes arrêté, oh Congo et Moni Sakabat. Oh, la justice de Congo est comme ça, comme ça. Oh non, balignonnaire. C'est pas qui balancounaire. Vous parlez des choses, vous publiez des choses dont vous ne connaissez pas. L'Internet aujourd'hui donne le poids à chacun de faire ce qu'il veut. Raison pour laquelle chacun pense qu'il est capable de publier n'importe quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Certaines personnes, analystes indépendants, opposants et tous les restes, il y en a beaucoup, même certains banamboka. Oh non, il est incompétent. Au cause de la générale, osa incompétent, ça ne peut jamais se faire. Taisez-vous, il y a les stratégies de guerre au bazo mené. Taisez-vous. Observez, soutenez le FARDC. Tous en état de guerre. Comment ça s'explique, yo, au lieu de soutenir l'armée, yo, zo fingande armée. C'est pas sérieux. On ne peut même pas dire que tu n'es pas un Congolais. Non, tu es un Congolais, mais tu n'es pas intelligent. Tu vois pas comment est-ce que le Rwanda soutient la rébellion du M23. Tu vois pas comment est-ce que l'Ouganda, les Ougandais, les Rwandais et d'autres qui restent dans l'anonymat, d'autres blancs qu'on est en train d'observer sur les lignes de front du côté de M23, soutiennent les rebelles du M23. Ainsi, Congolais aussi de notre État, quelles que soient les faillites et tout le reste, nous devons soutenir notre armée. Les amis balete, Ezaka Moko, nous n'avons pas de Ezaka Yango Moko. Et puis ceux qui bolingi te soutenir Yango, n'allez pas soutenir Yango. Bandele Kobima Poto, ne pas soutenir Mboka Nabiso, jamais.
La Monisco réagit un peu après, disant comme quoi, non, biso, tu connais tant que la bino, réaction à Monisco. Juste après, tu connais tant que la bino. Après que vidéo a été tambouli, la Monisco va maintenant réagir. Vidéo est tambola qui? M23 Ezokota Ruindi. Balobi na bango le lo keno, bazawana pour protéger ba civil. Bon, comment est-ce que vous allez protéger ba civil sous yé, sous l'œil boé, y a ba rebelle? Les rebelles attaquent, les rebelles violent, les rebelles tuent, les rebelles font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais, bino balobi keno, monsieur Rabino Eza Moussous, Moussous Ndengenin. N'est-ce pas la même Monisco qui a lancé l'opération Spring Book de l'autre côté, visant à protéger la ville de Goma et la cité de Sake? Là, Spring Book Yango qui est jugé aujourd'hui d'inefficace. Opération Wana. Même Monisco, casque bleu, aux Nations Unies, mission onisienne. Spring Book n'a pas cité à Sake, mais lorsqu'on arrive dans les ruines, Spring Book tombait. Mais comment est-ce qu'une personne peut jouer des rôles différents dans des endroits? Même pas dans des endroits. Tous en cas, c'est la province Moko. Une personne joue des rôles dans un endroit, des rôles différents. Boni, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. On ne fait même pas la pression. Moi, je ne fais pas la pression sur la Monisco. Je montre que la réalité de ce qu'on a vu, la réalité des choses. Vous venez un peu vous justifier après, mais la réalité est que M23 est Kota Kirwindi sous vos yeux. La Monisco est venue pourquoi? Qu'on se dise la vérité. Parce que la vérité, obino boyoka. Ayez pour la nine. Monisco, ayez pour la nine. Rétablir la paix. Et qu'on rétablit la paix, oh, bangouna baso kota. Est-ce que Kondima? Tokondimate. Qui dit mot comme ça? Ndeboy balobaka na français. Les Kamwesa les mi, olobi et le côté, donc, n'a pas le mot qu'on yébi déjà qui vous a fautif. Vous allez rétablir la paix lorsque les M23 bazo kota. Kibirizi d'autres camps de déplacés sont signalés là-bas. Des femmes enceintes et des bébés, des enfants souffrent comme pas possible. De l'autre côté, Nazamba, basi babandi. Nazamba déjà. Aujourd'hui, la Monisco veut se justifier. La Monisco elingi bimisa casquette wana na mutu nango, responsabilité wana. Ça fait combien de années Bozawana? Bozo la paix nini. S'il faut comprendre Bozo la paix nini. La réaction de la Monisco maintenant, juste après diffusion vidéo Wana, ça se voit. Ça se voit dans cette vidéo que Moutouazoua qui image Wana et zappé Moutouya Monisco. Parce que l'image était prise derrière les casques bleus parce que là, ça se montre. Déjà, si tu as un décryptage à vidéo, on a, ça se dit que non. Vidéo, on a des gens qui ont un moutouais qui sont en bango. Pose en simanabango et pose en staff na bango. Quel est le message qu'il voulait faire passer aux Congolais? Message nini, parce que les gens qui ont un pamba, il y a un message codé, caché là-bas. Qui voulait parler aux Congolais que voici, ces gens sont en train d'entrer. Bazoko, Tabiso, Tozo, Telemana, Biso, Kaka, si vous comptez sur nous, beaucoup Koufa. Maintenant, vous qui ingériez les FARDC, je vous mets en évidence. Bassez les Biso vidéo, continuez la Biso. Vous qui encouragez la Monisco. Vous qui dites que non, ce que Monisco est Kei, Bitumego Silagate, Bobazali, est-ce que Sili? Je ne parle pas le nom de quelqu'un ici. Je dis seulement vous, Binoboloba. Que non, ce qui Monisco et Kei, Bitumegusi, la jamais. Moutou n'en a pas Bazali depuis toutes ces années. Est-ce que Bitumande est si là? Et si la télé contraire? Et si ka Babimaka, Kimia et Zongi? D'après certains analystes, ne boy balobi. Bisika Babimaka, Kimia et Zongi. Si quitte un endroit, Kimia et Zongi n'a endroit. Réaction à Monisco et Zanine. Balobi boy. Au travers, il y a un compte sa Bango X. La Monisco dément
Formellement, le narratif véhiculé, Cyril Windy en utilisant cette vidéo, entre parenthèses, capture d'écran, Oboski Komona, la MONUSCO demeure engagée à mettre en œuvre son mandat de protection des civils en appui aux forces de défense et de sécurité congolaises. Pour protéger les civils sous direction, il y a des rebelles. S'il faut comprendre donc, Bakozalawana pour le civil, en même temps, les rebelles sont là. Ou bien il faut Bazalawana pour le civil pendant que les FARDC sont là. Biloko comme maçonni. Biloko comme maçonni. Donc, je reviens pour tout celui-là qui est en train de faire des critiques sur Ruins et tout le reste. Vous n'avez aucune idée. Je ne suis pas là pour vous donner ce qu'on est en train de préparer pour l'autre côté. Je ne peux pas les donner, sinon que vous allez traîtrise, moi aussi. Je ne suis pas là pour ça. Mais je vous appelle à croire à cette armée FARDC. Parce que je sais ce qui se passe de l'autre côté. Je sais la réalité des choses. Je le sais très bien. Je sais les difficultés auxquelles Bandeko Nabiso, mais ne lâche pas. Ils sont là. On n'a pas droit à les critiquer. On n'a pas droit à parler mal à leur égard. Plutôt, on doit les soutenir, quoi qu'il en coûte. On doit les appuyer. Les bonnes choses sont en train de se préparer. D'ici peu, vous serez étonnés. C'est tout ce que je peux dire. Les bonnes choses se préparent. D'ici peu, vous serez étonnés. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. C'est la fin de ce décryptage pour aujourd'hui, début de la semaine. Aujourd'hui, lundi, hein, 11 mars 2024. Donc, t'observer c'est mon nom et bon et coléka. Mais je vous dis seulement une chose, des bonnes choses se préparent. Attendez-vous à des surprises. Ekosimba, Dieu est avec nous. Je l'ai toujours dit que Dieu ne nous laissera jamais. Et avec l'aide de Nzambe, Toyebi Ekosimba. Si vous soutenez le FARDC, le Wazalendo, Mapingama Ekolo, affichez dans les commentaires, partagez cette vidéo et suivez-nous massivement. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basé à l'Est de la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit au départ. Je reste disponible au plus 243 993 46 71 93. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro.